Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve avec Mélissa qui vient m'aider parce que du coup j'ai besoin de deux téléphones et puis j'aime bien qu'elle soit fourrée avec maman pour vous présenter un tracker de colo que j'aime beaucoup et je l'ai recommandé à ma petite team de colo et on m'a demandé mais j'arrive pas à le faire fonctionner. Donc je me suis dit une présentation super rapide, promis, 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 pour vous montrer. Alors parce que moi je vais lancer des challenges, vous allez voir aujourd'hui sur ma chaîne une vidéo où il y aura tous les challenges du mois d'octobre. Du coup, il va être important pour vous de savoir comment je compte mes colos. Donc là, vous avez le screenshot sur Android, Play Store, code du nom et de l'icône, et mais c'est en cours de téléchargement. Et là, je vais vous montrer, par exemple, sur ce livre. Ah, il est téléchargé, c'est super. Donc, je te laisse pousser ton nom. Merci. Sur ce livre-là, par exemple. Ah, mon assistante, elle est top, 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 top. Sur ce livre-là, voilà. Moi, je vais commencer à compter. Dans l'application, alors c'est déjà des pages comptées, mais vous pouvez modifier l'ordre, je vais vous montrer. Je ne compte pas celle-là, parce que pour moi, c'est la page de garde. Je ne vais pas compter celle-là non plus. C'est la name page name, name page. Bref, voilà. Et moi, je vais compter à partir de là. Donc ça, pour moi, c'est la 1. Alors, bien évidemment, je ne vais pas le marquer là. Lorsque ce sont des pages, c'est l'idéal, qui sont au dos, il n'y a rien. Vous voyez, j'ai mis un petit 1 là. Voilà. Donc, quand je vous dirai le colo 8, ben, vous saurez que moi, j'ai démarré à partir de celui-là sur chacun des livres. Donc, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Mais pour les challenges, ça peut être important. Je peux vous en montrer un autre que j'ai pas commencé à numéroter. Voilà, celui-là, ça va être pareil. Hein, ça va être le même esprit. Là, il est à colorier. Pour autant, je ne le compte pas parce que pour moi, c'est la page de garde. Si je compte, pardon, je dis que celui-là, je le compte directement. Parce que là, je n'en ai pas d'autre. Voilà. Donc là, pour moi, ça sera normalement le numéro 1. Et voilà, derrière, on voit le numéro 1. Donc là, c'était ce qui était rapide. Après, ce qui était embêtant, c'était de savoir savoir quel bouquin j'ai entamé, quel bouquin je n'ai pas entamé. Moi, j'aimais bien l'idée de se dire à chaque fois, on achète, on achète, on achète. Mais si je vois sur mon tracker que j'ai 8 bouquins que j'ai pas entamés, peut-être que ça va me freiner dans les achats. Ou peut-être pas. Donc, on s'est dit, allez, on tente. Moi, j'en ai rentré un pour voir. J'ai adoré. Donc, on va vous faire le test en live, mais ça, elle va le faire. Elle ouvre l'application. Hop. Alors, continuez avec Google. Il va falloir que je cache. Bon, ok. Alors, du coup, on s'est reconnecté. Il y aura un petit montage parce qu'on s'est connecté avec mon compte, ce qui sera plus facile. Donc là, vous voyez, moi, j'ai créé Nice Little Town 4. On va vous montrer comment on fait. Et voilà, la progression, elle est là. Donc, vous pouvez noter le livre et vous voyez que moi, j'en ai fait qu'un dedans pour l'instant. Donc là, il est coché. Vous avez dans la bibliothèque de l'application du même auteur. Vas-y, tu peux faire défiler, ma chérie. Voilà, tous les nice little qu'il peut y avoir. Vous pouvez modifier le nombre de pages. Si tu peux cliquer dessus si tu veux. Voilà. Et là, je peux dire qu'il y en a d'autres. Voilà. Mais ne fais pas. Merci bien. Voilà. Donc là, on va repartir sur le sommaire d'origine. Ouais. Voilà, j'ai une mouche qui me chatouille le dos. Là, si on va dans, donc là, c'est moi qui l'ai créé. Si on va dans collection, par exemple, pour vous montrer. Hop, sélection. Voilà, cette collection, c'est votre collection à vous. Là, je n'ai pas créé, alors je ne maîtrise pas trop l'application pour l'expliquer. Ah, mais toi, c'est que toi, tu ne l'as pas comme moi. Ah, si, c'est découvrir, voilà. Il faut que. Alors, collection, en fait, c'est votre collection de livres que vous avez ajouté au fur et à mesure. Et là, on va aller donc dans découvrir. J'ai du mal à expliquer, voilà. Les livres à venir, ils sont là. Si, par exemple, on tape. Ouais, celui-là. On va essayer Mine Rise. Voilà. Alors, attendez, je tape. Alors, moi, j'aime pas trop de faire les démonstrations. Eh, voilà, il est super, là-haut. Ouais. Voilà, vous avez vu? Hop, donc là, mais ça va cliquer dessus. Le premier ou le non? C'est lequel que t'as? Lui. C'est lui que t'as. Ouais, voilà. Je pense. Publié, il a 50 pages. On peut l'ajouter à la collection. Vas-y, de toute façon, je vais le faire. Je sais pas si c'est celui que t'as. Voilà. Et on va laisser 50 pages. Par contre, si je voulais en mettre 70, vas-y. Alors, ben, moi, je les ai comptés à ma façon, parce que je ne trouve pas 50 pages, donc c'est ce que je vous disais. Et quand on regarde les commentaires, personne ne trouve les mêmes pages. Moi, j'en ai 87. Voilà, fais ajouter à ma collection. Voilà, tu peux sortir. Alors, vous avez vu, vous avez des liens pour acheter sur Amazon, etc. Hein. Vas-y. On peut demander l'ajout. Et donc là, si, mais ça va dans ma collection. Et voilà, on l'a. Et on voit que là, il n'est pas du tout commencé. Et en fait, si vous voulez, Mélissa va vous montrer comment j'ai commencé à numéroter ce livre-là.
Alors, oui, c'est bien celui-là que tu as. Du coup, j'ai ouais. appuyé avec les autres. Voilà. Alors. J'ai noté, en fait. Parce que là, il y a une des pages, mais qui se colorise. Alors, on va démarrer dès le départ. Vous voyez, il y a une première page. Moi, je ne l'ai pas comptée. Parce que pour moi, c'est pas ma page 1. Alors, chacune compte comme elles veulent. Mais celles qui veulent coloriser avec moi, bah, ça va être compliqué si vous ne comprenez pas mon système, en tout cas. Donc, voilà, au moins, vous l'aurez compris. Donc là, je ne compte pas. On est toujours sur la page de garde ici. Celle-là, je ne compte pas non plus. Et moi, je suis venu compter à partir de là. Là, c'est ma page 0. Et je suis venu compter à partir de là. Et là, du coup, je n'ai pas numéroté, hein, parce que, du coup, c'est très embêtant, mais c'est recto verso. Donc, je vous ne dévoile pas plus ce livre, parce que ce livre-là, il fait partie d'un challenge que je vais vous annoncer tout à l'heure. Et je remercie Mélissa, qui est un ange. Oui, je me le suis noté en mémoire pour pas perdre de temps sur la vidéo, parce qu'elle est venue en renfort. Et je vous retrouve tout de suite dans une seconde vidéo avec tous les événements à venir et vous dire pourquoi on va parler de Mindrise d'Urch Europa. Et je vais vous faire la vidéo de présentation aussi que vous pourrez retrouver dans mes livres, Le temps du montage aujourd'hui ou demain, ainsi que le Genovia qui va servir aussi dans un challenge. Donc voilà, je vous ai fait des petites vidéos séparées pour que vous puissiez en tout cas ne consulter que ce qui vous intéresse. Donc sur ce, on va vous laisser. Mélissa, merci beaucoup de ta présence. Et puis bah, écoutez, si je vous revois pas dans les autres vidéos, enfin si vous me revoyez pas, bah, écoutez, passez en tout cas un bon week-end, profitez de la vie et prenez soin de vous. Au revoir.